Bonjour, bienvenue dans votre émission culinaire. Je vous invite à ma table pendant tout le mois du Ramadan. Je vous propose de m'accompagner pour un voyage culinaire. Nous allons faire des escales culinaires au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Inde, au Sénégal. Bref, nous allons voyager un peu partout. On va découvrir des saveurs différentes. J'ai sélectionné pour vous des recettes traditionnelles qui sont à la fois faciles, rapides et savoureuses. J'espère qu'on va passer un bon moment, un moment agréable ensemble. Donc pour commencer, aujourd'hui, nous allons voyager au Maroc et on va partir par la suite en Algérie. Donc j'ai sélectionné pour vous une recette, l'harira. L'harira, c'est le maître de la table, la recette la plus importante pendant Ramadan au Maroc. Donc mais cette fois-ci, je vais vous présenter une nouvelle façon de la faire, une façon express. Et vous allez voir, ça va, vous allez épargner beaucoup de temps à faire l'harira chez vous. Et par la suite, nous allons préparer le plat l'mtouem comme le veut la tradition algérienne. On commence toujours le Ramadan avec ce fameux plat qui est un plat à base de protéines végétales et protéines animales. Et vous allez voir, c'est un très très bon plat, vous allez l'adorer. Alors, pour information, c'est une harira qu'on appelle mkhzaniya, ça veut dire une harira royale, qui diffère un petit peu de la harira traditionnelle qu'on a l'habitude de préparer à base de pois chiches. Cette fois-ci, cette harira est faite à base d'amandes et également de poulet. Traditionnellement, on utilisait le pigeon. Aujourd'hui, on a remplacé en fait le pigeon avec le poulet. Voilà, on commence et comme je vous ai promis, on va faire une harira express, vous allez voir. On a besoin d'un blender et on va venir tout mettre les ingrédients. Les oignons, vous pouvez prendre un oignon entier, vous coupez en deux, vous mettez dans le blender. Vous rajoutez, je vais laisser les tiges, vous rajoutez du céleri et mettez directement dans le blender, pareil. Du persil, je vais laisser un petit peu pour la fin, pour parfumer, et de la coriandre. Voilà, et je vais rajouter de l'eau. Voilà, c'est prêt. Donc, je vais verser ma préparation dans la cocotte minute. Qui dit cocotte minute, c'est pour que la cuisson soit vraiment très rapide. Et je vais déjà allumer le feu pour que ça commence déjà à cuire. Donc, pendant ce temps-là, je vais mettre les tomates. Et pareil, de la même façon, je rajoute un peu d'eau. Et je mixe. Voilà, notre tomate est prête. On va verser les tomates sur la préparation précédente. Donc on va rajouter les lentilles, un tout petit peu. Comme j'ai dit, à la place des pois chiches, cette fois-ci on va rajouter des amandes émondées. Donc moi je vais mettre une poignée d'amandes. Un tout petit peu de tomates concentrées. Et je vais commencer à parfumer. Donc, je commence par un demi-bâton de cannelle. Je prends le curcuma. Je mets une cuillère de curcuma, une cuillère de gingembre, Thank you.
du sel. Le sel, moi j'aime bien mettre le sel au départ pour le harira, comme ça on n'a pas à rajouter. Et puis le poivre, une cuillère également. On va tout mélanger. Et là, on va rajouter de l'huile de tournesol, l'huile de table, en fait, tournesol ou d'arachide. Donc l'équivalent, on va dire, de 2 cuillères à soupe. Je rappelle que les quantités que j'utilise, en fait, sont, on va dire, pour 4 personnes. Donc là, on va fermer et on va laisser cuire. On va laisser cuire à peu près 15 à 20 minutes et ça va être prêt. Et par la suite, on va préparer un liant. Donc c'est ça qui va nous permettre à épaissir la soupe. Donc pour ça, nous avons besoin. On va prendre une mesure de farine. On met aussi dans le blender et on rajoute 2 mesures d'eau. Et on va tout mixer. On peut rajouter aussi de la tomate concentrée à cette étape-là. Si vous voulez, vous pouvez la rajouter là ou après. Après, directement, à la fin de la cuisson de la soupe, vous rajoutez de la tomate concentrée. Donc moi, c'est pour gagner du temps, je la rajoute tout de suite. Donc là, j'ai fini le liant. Je vais regarder déjà la marmite, si ça avance bien en cuisson. C'est très bien. Ce que je vais rajouter maintenant, je vais prendre de l'eau bouillante et je vais en mettre. Voilà, donc la base de ma soupe, elle est prête. Je laisse encore un tout petit peu. Donc voilà, j'ai mis de l'eau, je laisse encore bouillir un petit peu. Et par la suite, je vais mettre, une fois que c'est cuit, en fait, je rajoute la viande de poulet hachée et un petit coulis de tomates, la vermicelle. Et je finis par le liant pour avoir une sauce épaisse. On se retrouve juste après la coupure, je vous dis à très vite. On se retrouve juste après avoir laissé ma soupe bouillir. Donc là, je vois qu'elle est prête et les ingrédients ils sont cuits. Je vais rajouter un coulis de tomates. Deux cuillères. Je vais rajouter également des boulettes de viande de poulet. En fait, je choisis en fait des boulettes de viande de poulet à la place, comme j'ai dit, dans la recette traditionnelle du pigeon. C'est plus facile et ça cuit très vite. Le poulet, ça va cuire très très vite. Je vais en même temps rajouter les cheveux d'ange. Voilà.
et en même temps je rajoute le lion. Alors c'est ça qui va nous épaissir en fait la soupe. Et là, il ne faut pas en mettre beaucoup. En mettre un tout petit peu quand on aime le harira légère. Généralement, quand il fait chaud, on la met un peu légère. Quand il fait froid, on la veut un peu consistante, un peu épaisse. Donc en même temps, on retourne comme ça pour que la farine ne s'accroche pas au fond. Voilà. Et dès que je sens, en fait, comment je sais que j'ai mis assez de lion ou pas, c'est quand je retourne. Et dès que je sens que le mouvement, il est un peu lourd, c'est-à-dire que la spatule, j'ai du mal à retourner un peu la spatule, on sent qu'il y a un peu de poids, et bien là, j'arrête parce que je sais qu'on est à la bonne consistance. Voilà, on remis sans cesse. Ça a l'air très très beau. Et alors, je laisse mijoter un tout petit peu. Je vais rajouter du beurre. Normalement, on peut aussi, dans la recette traditionnelle, on rajoute du beurre rance, semaine. Ici en France, on a du mal généralement à trouver semaine. Donc on peut remplacer par le beurre et ça donne franchement un bon goût également. Donc on laisse bouillir. Alors petite astuce également, comment vous allez savoir que la soupe elle est cuite ou pas? Vous voyez sur la surface, vous avez une petite mousse qui se fait sur la surface. Eh bien en fait, une fois qu'il n'y a plus de mousse, ça veut dire que la farine elle est déjà cuite. Donc à ce moment-là, vous pouvez éteindre le feu et votre soupe elle est prête. Alors là, ça commence à bouillir. La cuisson elle est presque finie. Et ce que je vais rajouter, c'est vraiment la touche finale. Vous pouvez faire chez vous, mais ce n'est pas obligatoire. Donc on vient casser un œuf dans la soupe directement et on va tout de suite commencer à remuer rapidement. Pourquoi j'ai mis l'œuf? Généralement, il y a des familles qui le font pendant le ramadan, ils font ça dans le harira. Il y a d'autres familles qui vont rajouter complètement des œufs de caille cuits, déjà cuits, ils vont les rajouter à la fin. Moi, je reste sur un œuf, toujours, parce que c'est plus rapide. Alors, nous avons fini notre harira. Je vais vous laisser avec la liste des ingrédients et on se retrouve après pour la préparation du deuxième plat. Me revoilà, donc on a fini notre soupe harira et on va commencer avec le plat principal, donc l'mtouem. L'mtouem, c'est une spécialité algérienne qui se fait de deux manières, donc soit l'mtouem blanc ou rouge. Moi j'ai déjà goûté l'mtouem rouge et j'adore ça, donc je voudrais partager cette recette avec vous. Alors, donc pour commencer, dans une cocotte, on va mettre d'abord l'huile. Donc là, je mets un filet d'huile de table et je rajoute un filet d'huile d'olive. Voilà, un tout petit peu d'huile d'olive. Donc, par la suite, je vais rajouter des oignons. Je mets vraiment à feu doux. Donc je laisse d'abord les oignons se caraméliser. Et là, je rajoute thoum, l'ail. Donc là, je mets vraiment la dose parce que le plat, c'est la base vraiment du plat, le thoum.
Alors, on mélange tout. Je vais rajouter très peu d'eau pour que les oignons ne crament pas. Hop. Je vais venir rajouter les pilons de poulet. Je vais laisse saisir un petit peu. Je rajoute mes parfums. Alors, pour ça, je mets du cumin. Donc le piment. Je vais mettre le sel. Je mets très peu de poivre. Et je rajoute une dose de safran. Et je rajoute également mes pois chiches. Donc je laisse les cuisses de poulet s'imprégner des épices. Je vais rajouter également les amandes. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Je mélange et je couvre la préparation. Et pendant ce temps-là, je vais préparer mes boulettes de viande hachée. Voilà, donc pour la viande hachée, je vais avoir besoin d'une petite quantité, on va dire 250 grammes pour 4 personnes. Et pour l'assaisonnement, très simple, du sel. Du poivre, très peu de poivre, la pointe vraiment, c'est une petite quantité, on va pas abuser, et l'ail. On a mis à peu près l'équivalent de 3 gousses d'ail, donc on a mis 2 dans la sauce et 1 avec la farce, et je vais rajouter du cumin, ça aussi. Donc là, je ne mets pas le piment doux. Je vais commencer à mélanger. Voilà, une fois qu'on a mélangé, je rajoute le blanc d'œuf. Là, j'ai mis la moitié. On n'est pas obligé de mettre le blanc d'œuf d'un œuf quand on a des petites quantités. Si vous avez 500 grammes, vous pouvez mettre un œuf. Là, j'ai que 250 grammes, donc j'ai mis que la moitié. Voilà, on va continuer à mélanger et après, on prépare des boulettes. Je vais aller avec les mains, ce serait plus simple. Hop. Voilà, donc je vais commencer à former mes boulettes.
mettre des boulettes qui ont la taille d'une noix. Voilà, je reviens à mon plat, je vois que ça mijote. Donc le poulet est en train de cuire, je vais rajouter maintenant de l'eau et de la sauce tomate. Donc je couvre. Je rajoute de la sauce tomate, une cuillère. Enfin, deux cuillères. Donc, on pique le poulet. En même temps, la sauce va s'imprégner, rentrer à l'intérieur des pilons. Et en même temps, ça va permettre ou accélérer la cuisson. Voilà, donc une fois que c'est cuit, voilà, donc je ferme la marmite, je laisse les pilons de poulet cuire tout doucement et on se retrouve juste après une coupure pour remettre les boulettes. Me revoilà, on va finaliser la recette. Donc là, on va rajouter les boulettes de kefta. Voilà, on les met un peu partout, éparpillées. On a fini de mettre les boulettes. On va rajouter du beurre ou semaine si vous avez. On laisse cuire pendant 7 à 10 minutes maximum et on éteint le feu. Le plat est déjà prêt. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après pour la présentation. À tout de suite. C'était ma suggestion pour le premier jour du Ramadan. Donc la harira al-mkhzaniya, la harira royale, à base d'amandes et de poulet, et le plat l'mtouem, de boulettes de viande hachée accompagnées de poulet. Testez-le, c'est un régal. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez bien voyagé avec moi. J'espère que vous allez tester mes recettes et que vous allez les refaire chez vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur notre page Facebook. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis bsaha wa raha. Au revoir.